Je suis très heureux avec la commune de Trizé d'accueillir l'exposition du parc parce que j'ai senti que ce que m'avait présenté le président correspondait parfaitement à l'attente de mes habitants, à savoir c'est quoi le parc, c'est quoi notre avenir. Oui. Il a tout mis. Il manque des... Non. Il manque des maisons. Oui, il aurait peut-être pu mettre plus de maisons. Peut-être qu'il aurait pu mettre sa maison, tout simplement. En pédagogie, on dit souvent qu'il est préférable de partir de l'environnement proche de l'élève afin d'ouvrir ses horizons. Il me semble que c'était justement l'objectif plutôt atteint par cette exposition, en partant du territoire de l'élève, du territoire du perche auquel il vit au quotidien, et pour l'amener à une interrogation sur l'avenir et le rôle d'acteur de l'élève qu'il va pouvoir y jouer. Vous voyez, il y a une boîte aux lettres pour recevoir le courrier. Et pour vous, à quoi ressemblera le parc dans 20 ans? Ça va être beaucoup plus pollué et moderne. Que les bâtiments seront plus écologiques, tout sera un peu plus fleuri que maintenant. Tout s'arrange bien. Moi, je pense qu'il y aura des voitures voyantes. On travaille sur le projet d'appellation d'origine protégée du cidre du Perche. Tout ce qui est ici et qui est blanc, eh bien, c'est « et alors dans 20 ans ?» Eh bien, dans 20 ans, notre blanche, notre d'espoir, il faut continuer. Et voilà, c'est surtout un message d'espérance.